On est parti pour la tour du vautour. Alors, le donjon avec un concept particulier. Alors, il y a un coquillage dans ce donjon. Alors, donjon concept particulier, puisque l'objectif est de détruire 4 piliers pour pouvoir faire descendre le dernier étage. Et c'est la seule façon d'atteindre le boss. Petite clé. Du coup, on revient au point de départ ici. Voilà, donc la fameuse bubble qui va nous permettre de détruire les piliers. Donc j'essaie de ne pas faire la même connerie que j'avais fait lors de ma première partie. Ah, je me suis bloqué. Non, on va pas trop loin non plus, hein, bubble à la con. Je vais m'en sortir. Reste là, saloperie. Vas-y. Allez. Premier pilier. C'est histoire de faire comprendre aux joueurs le but de ce donjon. Plusieurs choses. Évidemment. C'était l'autre. Et vu que j'ai viré le truc. Aïe. Voilà. Donc l'escalier est bloqué, on va falloir le débloquer plus tard. La carte du donjon, ce qui est très utile quand même pour ce niveau là. Hop. Hop. Il est... Bon, les cœurs. Là. C'était ça que nous avions besoin. Pour pouvoir actionner et détruire le second pilier. Alors l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais balancé le pilier ici, la boule ici, alors que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc du coup on va garder cette boule avec nous, parce que je crois qu'il faut pas juste passer par là. Évidemment, une chance sur deux, il glisse que d'un côté. Alors, on veut détruire celui-là. On doit faire tout le chemin. Voilà. Là au moins, forcément on va devoir l'amener ici. On est déjà à deux piliers. La boussole. Plutôt pas mal. Alors, le coquillage est ici. Donc là, logiquement, c'est le chemin où, voilà, c'est un peu particulier comme chemin. Je peux pas passer par là. On dit bonjour à Kirby, quand même. Salut, Kirby. Du coup... Ouais, bah, je peux aller nulle part, en fait. Du coup, c'est vraiment pas le bon... J'ai libéré l'escalier. C'est pas du tout l'escalier que je dois prendre. Du coup, on va revenir en arrière. T'es repop vif, c'est ça le bruit. Et on va se barrer de l'autre côté, quoi. Alors. Réfléchissons. Je sais pas si vraiment besoin de. Ah bah si, il suffit de faire ça. Oui, parce que maintenant j'ai plus la bombe, donc du coup je peux me déplacer comme ça facilement. Ah merde! Je peux pas me passer par ça. On va tenter. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ah bah au final ça finit plutôt bien. Ma connerie, je m'en sors plutôt bien que ma connerie. Ok.
Qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça. Bon, on va continuer comme ça. De toute façon, c'est le donjon où je réfléchis le plus, hein, celui-là. C'est celui qui est pour moi le plus poussé. C'est certainement... J'oublie toujours qu'il y a le bec de pierre dans les coffres. Ah, mais dégage. Tiens, vraiment obligé à tuer avec les flèches. Merci. Je peux enfin me barrer maintenant. Tiens, c'est juste ça que je voulais faire. Non, fais pas tomber. La barre de vie des momies. Du coup, bah en fait je reviens au point de départ, j'ai rien fait de transcendant. Et pas revenir au point de départ ici. Et du coup, bah ça fait de la merde. Ah là, je déteste ce donjon, j'ai jamais aimé. C'est vraiment le donjon, je tourne en rond, c'est chiant. Tous les autres, je les torche facilement, mais celui-là... Donc on revient au point de départ. Je peux pas... J'imagine que je peux pas lancer une bombe à travers... Non. Je vais essayer. Si je descends là, je vais... Voilà, il n'y a pas de petite séquence intermédiaire, c'est ce que je me posais comme question. Nous avons été que d'à côté, je crois, de la carte. Ah non, on avait été aux deux. Une fois qu'on a trouvé, qu'on aura détruit les quatre piliers, ça sera pas compliqué, hein, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Aïe. En fait, j'en ai tellement rien à foutre des dégâts que je prends, alors que le but c'est de ne pas mourir. C'est le but du défi. Et au final. Après, c'est vrai qu'ils font pas forcément très mal. Hein. Depuis que j'ai cette tunique. Je veux dire cette armure, parce qu'au final c'est une tunique, mais. C'est qui vend une armure. Hein. Bon, on est revenu au point de départ. On va retaper ici. Je suis toujours paumé dans ces niveaux. Je peux pas y accéder. Comment je peux y accéder de l'autre côté? Par le bas. Ah, attends. C'était quelle couleur qu'il fallait... Fallait que les bleus soient enfoncés pour pouvoir accéder au truc chiant. Ah, mais du coup, je peux pas y aller. Ah, mais merde, comment on y va alors? Parce que maintenant le coffre est accessible. C'est ça que je voulais. Ah putain, qu'est-ce que je déteste ce niveau. Allez, tombe dans le vide. Bon, on n'est pas été en haut. Donc, du coup, on va se faire plaisir. Alors, il y a une clé. Certainement. Ok. Ah mais au final, non, je suis toujours aussi bloqué. C'est juste de la merde ce que je fais. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. C'est par quel chemin après? Chaque fois j'oublie. Je peux pas accéder là parce que maintenant c'est. C'est toujours le même donjon que j'en chie. Allez, si je tombe d'ici. Ça m'amène là. Là où j'ai déjà été. Du coup, ça me bloque. Si je monte là. Ah, attends. Attends.
Mais non, évidemment, j'ai encore dit de la merde. Ça y est, je pense avoir une idée. J'ai une idée. Et j'ai mon idée. Une idée de merde, mais j'ai une idée quand même. Voyons si mon idée tombe pas. Si je fais chipouette, je tombe ici. Voilà. Et que je reviens au point de départ, logiquement, je vais devoir remonter ici. Et du coup, j'aurai le coffre qui est accessible. Là. Et du coup, je peux passer en bas. Oui. Voilà, nouveau bouclier. DQ. Ben, j'ai quand même pas de putain de clé de brin. Je n'ai pas ma clé. Donc forcément, je vais devoir taper là. Bon, je suis quand même bloqué. Ça change rien à ça. Ah mais attends, il y a pas un... Mais oui. C'est juste que je sais plus où c'est. Mais il y a un endroit où il faut péter des murs. Non, de toute façon, c'est pas là qu'il faut péter les murs. Ce n'est pas là qu'il faut péter les murs. C'est plus loin. C'est là qu'il faut péter les murs, c'est en bas à gauche, mais du coup là je suis bloqué. Putain, j'ai vraiment accès à rien quoi. Putain, ces putains de trucs me bloquent à chaque fois. Ah mais non, dégagez de mon chemin. Bon, logiquement, si... Mais non, ça changera rien. Parce que j'ai pas accès, ça bloque mon passage là. Si je vais sur le côté. Que je remonte par là. Évidemment, ça bloque le chemin. Du coup, je peux pas remonter. Évidemment, même connerie que tout à l'heure. Y a pas un truc activant. Bah non, évidemment. Oh, j'en ai marre de ce donjon. J'ai jamais aimé ce donjon. Allez, paf. Du coup, on va retourner en rond. S'il me barre sur la gauche. Mal aux fesses. Passage ouvert. Donc c'était ça que je voulais faire. Ok, c'est bon, je suis débloqué. Là, je suis enfin débloqué. Mais c'est toujours le bordel, ce donjon. Mais lance pas dans le vide, s'il te plaît. En fait, le plus dur, c'est de pas se faire lancer dans le vide. Voilà. C'est le donjon pour moi le plus libératique. C'est celui le plus poussé. Mais bon. Voilà, donc on a une clé. On va pouvoir péter des murs. Ouais, non. C'est un peu con ce que je vais faire. Merde, mauvais bouton. Trop tôt plutôt. Voilà. Voilà. Petit coffre. Alors logiquement, on n'est pas encore monté.
Là, on va explorer des nouvelles zones. Évidemment, évidemment. Oui. Zou. Alors. Évidemment, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, de toute façon. Donc, il va sûrement avoir un interrupteur dans le coin, ou pas. Le mini-boss. Mini-boss, pas forcément très compliqué. Mais en gros, il faut que je détruise absolument toutes ces chauves-souris. C'est juste, on peut le faire en une fois, hein, il faut juste détruire toutes les chauves-souris. Là, j'ai raté. Tant qu'il reste au moins un, il va ramener ses potes. Alors dans le jeu de base, c'est plus facile parce qu'on a... L'épée est plus rapide. Mais bon, voilà, ça va, c'était assez rapide quand même. Tu as battu Mega, tu me le paieras, ça je te le garantis. Voilà. Allez, pip 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 pip. Forcément. Vas-y, tape-moi, je m'en fous. On actionne l'interrupteur qu'on avait besoin justement tout à l'heure. On récupère la clé. C'est bon, on a déjà la clé du boss. Bon, alors qu'on n'a pas pété les colonnes derrière. Tout ça, ça va changer une fois qu'on aura pété toutes les colonnes. De toute façon, le donjon change complètement. Alors, vu que maintenant on a actionné, on peut revenir, on peut aller sur ce côté-là. Mais putain, c'est de la merde en fait. L'intérêt du truc. À part perdre du temps. Allez, on va sauter dans le vide. Oui. J'aurais peut-être pas dû sauter dans le vide parce que je suis de nouveau dans l'endroit chiant. Oh, le boulet. Ceci est un fail. Ouais, mais maintenant j'ai ma clé, peut-être que ça va être moins peut-être moins chiant. Alors, est-ce que j'arrive à... Ah bah, voilà. Ça évitera de faire un boulet. Vas-y, téléporte-toi au point de départ, je reviens au thème. On va redescendre par l'escalier, ça évitera de faire le con et de tourner en rond pendant 2 heures comme tout à l'heure. Alors, voilà. C'est bien ce que le truc de soin est de retour. On redescend là. On va tout de suite actionner cette clé là. Donc du coup on peut actionner... arriver là. Du coup, ouais c'est bien. On pourra venir un peu. Ce sera des trucs qui nous seront utiles. Ça c'est un mur. Je vais juste passer, bande de saloperies. Voilà. Hop. Du coup on pourra... voilà. Même chose que pour le donjon précédent, on se fout dans un coin et on attend. Pas compliqué. Zou. Nous avons... Bim. Un pilier de plus. Allez. Je voulais pas pisser mes boutons. Je passe par là. Évidemment, je peux pas le lancer. Est-ce que c'est suffisamment loin? Oui, c'est suffisamment loin. Ah. Ah. Ok. Merde, je viens de faire le con. Une bombe et que ça saute. Évidemment. Ah oui, c'était sûr, évidemment. Ah non, je peux passer par là. Je peux... Bah évidemment, ça sert à rien. Quoi. Je suis obligé de sauter dans le vide, putain. Bon bah, je reprends le téléporteur. Marche bien le téléporteur.
Parce qu'au final, ma bombe, je vais devoir le faire tout le tour avec. C'est plutôt chiant. Voilà. En fait, il faut que je l'amène ici. Dégagez de mon chemin, bordel! Alors, on va devoir refaire le tour avec ma bombe. Avec ma bombe, avec mon... On sait bien ce que là, c'est pas juste d'attendre à chaque fois. Dans le jeu de base, on devait attendre à chaque fois. Hein. Bah, du coup, je la fous comment de l'autre côté? Si, j'ai peut-être une idée. Si, j'ai mon idée. En fait, la boulette que j'avais dit la première fois, bah, c'est ce que je dois faire là. Hop. Ouh, putain, j'ai vraiment cru que j'allais la lancer dans le vide. Voilà, je fous celle-là. Du coup, ensuite, je retourne au début du donjon. Pour reprendre le téléporteur pour redescendre. Zou. Allez. Aïe, je suis ta mûre. Alors, voilà, nous avons notre fameuse bubble que nous recherchions. Pardon. Vas-y, lance-la. On refait tout le tour. Non. Putain. Ah oui, j'ai oublié de remettre le... Ça. Pousse-toi de là, saloperie. On refait tout le tour. C'est long, mais bon. On n'a pas le choix. Là. C'est bon! On aura déjà fait un bon point là. Et là, le donjon a beaucoup changé. Par rapport au. Voilà, déjà, il y a un étage de moins. Donc du coup, ben bah, non, il n'y a plus qu'à plus ou moins réexplorer le truc. De façon un peu plus... Ah, je crois que c'était un escalier, alors que pas du tout. Parce que j'aimerais bien en fait accéder à... C'est con, hein, mais j'aimerais bien accéder au... coquillage. Je sais plus comment on y accède à celui-là. Alors, est-ce que ça, les salles ont changé ici? Non. Là, ça a changé, bizarrement. Ça n'a plus rien à voir. Alors, le donjon, le boss, ça a l'air d'être là. Ah, c'est cool, ça. Je n'ai pas la clé. Je reviens au même point, donc ça sert à rien. Ok. Là, on comprend le truc de tout à l'heure, hein, quand on était bloqué. Dans, si je dis pas de conneries, c'est plutôt cool hein, ce truc miroir. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, les choses sont pas compliquées à placer. Alors forcément, là, ça sera des sous, hein, parce qu'on a déjà tout et on n'a pas le bruit de la clé. Ah non, pot de crème. Mais j'ai déjà la peau de crème, le pot de crème, donc du coup... ah bah donc, du coup, il le remet dedans. Ok. C'est une bonne chose. Du coup... Évidemment, faut passer par là. Alors, oui, si je me suicide. Je tombe dans le vide, en fait, c'est pas... Ok, c'était pas du tout une bonne idée. Parce que le truc est là, hein,
Ok, je l'ai là. Du coup, il faut que j'actionne un interrupteur pour pouvoir avancer. Oh, qu'est-ce que c'est chiant ce système d'interrupteur dans ce niveau. Je vais bientôt plus avoir de flèches juste à cause de ces momies à la con. Ah non! J'ai jamais aimé ces monstres dans les Zelda. Voilà. Là, il y a une clé. Évidemment, c'est la clé que j'ai besoin. Je sais même pas comment on y accède, ce truc. Il faut se laisser tomber, hein, ça c'est sûr. Mais il faut se laisser tomber dans un coin et je vois pas d'endroit. Ça c'est un mur, putain de merde. Ah bah si, là. Logiquement, j'atterris en haut. Et est-ce que ça permet de faire tout le tour aussi? Là j'ai pas putain de clé à la con. Alors est-ce qu'il y a un truc qui va m'empêcher de faire tout le tour, genre une statuette Parce que là si je peux faire tout le tour, je vais chercher. Et voilà, évidemment je peux pas faire tout le tour. Donc du coup je peux pas aller chercher mon coquillage. Alors, on peut aller en bas maintenant? Ouais. Du coup, on peut aller à gauche. Et cette clé sert strictement à rien. On est d'accord que cette clé, ça servit à rien. Ah bah, pff, mais vraiment. Putain, mais deux bémanes quoi. Cherche vraiment compliqué. Bon bah tant pis pour le coquillage, on va en trouver d'autres. Je vais t'écraser comme une vulgaire fourmi. Nouvelle Tyraos. J'aime bien cet enchaînement de musique juste après. Mettre celui-là. On peut le faire aussi à l'épée, hein. Ah, je crois que le bouclier en fait ça suffisait, je suis con. Dans mes souvenirs, le bouclier suffit. Trois coups. Ah, le bouclier suffit pas des masses en fait. Mais attends, je t'attends. Allez, viens, gros piaf. Ouais, en fait, je crois que c'est plutôt pas trop mal le l'arc hein, comme idée. Ouh, je l'ai tapé pas mal de fois là. Alors, t'es où? T'es là. On y est presque. Bientôt fini ce donjon. Après, il restera plus qu'un donjon et le boss, c'est fin. De toute façon, après, il faudra aussi qu'on fasse le... tous les... c'est-à-dire la quête secondaire pour avoir la loupe. Bon, ça sera pas très long à faire, hein. On a déjà pas mal d'objets, mais faut le faire pour avoir le chemin. Parce que je le connais pas par cœur. Voilà. J'ai perdu, mes forces se consument. Mais si le poisson rêve s'éveille, toi aussi tu disparaîtras. Tout comme moi, tu fais partie de son rêve. Adieu le piaf. Il a quand même des rêves très complexes, hein, ce poisson.
Voilà, septième donjon sans mourir. Et d'ailleurs, on n'a même pas utilisé une seule fois la crème. C'est-à-dire qu'on n'est même pas mort une fois avec la crème. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi, ça. C'est un bon défi, plutôt, qui se déroule plutôt bien. Et piano. L'orgue de l'embellie. Ocarina, la musique de l'Ocarina te guidera. Eh oui. Donjon terminé. Du coup, on va continuer les petites quêtes pour avancer dans pour récupérer la loupe. Mais avant, on va retenter la collecte de ce coquillage à la con. Il est pas loin. Ici. On va essayer de pas le coincer cette fois. Oui, je veux le coquillage justement. Si je te donne 100 rubis plutôt, tu me donnes le coquillage tranquillou. Essaye de négocier, hein. On sait jamais ça peut passer. Hein. Là, je pense que je vais le louper. Il va se fermer au moment où il va passer. Ouais. T'es bien pourri là, mon truc. D'à côté, là, il bouge plus. Mais logiquement, il va repasser sur le. Sur la planche. Ouais, donc du coup, ça sert à rien. J'ai toujours eu du mal hein, avec ce jeu. Dès qu'il y a le mouvement, de toute façon. Allez! Ah bah là, totalement à chier. On peut pas accélérer le temps là pour bouger. Le quart de cœur on a eu facilement, mais celui-là par contre c'est vraiment le coquillage le plus l'objet je pense le plus difficile à voir. Faut tellement avoir un bon timing en plus. Voilà. Peut-être que là ça devrait aller. Ce qui va repasser au moment où ça se ferme. Oh là là, mais ce talent. Oh là là, mais... Ce talent. Non, c'est bon. Ça va, on n'aura pas perdu beaucoup de temps pour ce coquillage. Alors, nous sommes à combien de coquillages? Nous sommes à 33, si je dis pas de conneries. 33, c'est ça. Ok, 33.